Oui, bonjour. Bonjour. Alors, pourrais-je avoir votre prénom, s'il vous plaît? Myriam. Myriam. Oui. Bien enchantée, Myriam. Merci. Je me présente, Myriam. Je m'appelle Ayaël. Myriam, il me faudrait votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 24-6-71. 24-6-71. Vous m'appelez de quelle région, Myriam? L'Île-de-France, à Aulnay-sous-Bois. D'accord. Myriam, quelle était votre question? C'était savoir si j'allais rencontrer quelqu'un et si c'était une relation sérieuse. D'accord. Donc, pas de prénom à me donner, hein? Nous sommes d'accord. Aucun prénom? Non. Ça fait un an que je suis seule, donc... D'accord. Allez, je regarde. Myriam, 24 juin 1971. Myriam. On a pris le large, Myriam. Oui. Est-ce que je vois? Je vais me dire où on est, Myriam, dans sa vie amoureuse. Vous avez besoin de beaucoup vous éloigner, Myriam. C'est pas que je veux vous reparler du passé, mais parce que je le ressens, c'est ce qui va me permettre d'aller sur le futur. Oui. Vous avez eu besoin de beaucoup, beaucoup vous éloigner. Hein. Moi, j'ai quelque chose qui s'est arrêté net. Hein, et ça a été très dur pour ma part, hein, sur un plan sentimental. Hein. Oui. Vous n'avez pas eu de réponse. Hein. Ça s'est stoppé net, Myriam. Oui. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Hein, c'est ce que je ressens. Alors moi, je vous dirais que, bah, il faut du temps au temps parce que je vois les blessures. Je vois beaucoup la déception et pour moi, la rupture a été... ça s'est fait très durement, très violemment. Et pour moi, la personne qui était avec vous, vous a laissé comme ça. C'est-à-dire que quand on en arrive à rompre, on pose les mots, on dit les choses. Mais là, pour moi, rien n'a été posé. Non. D'accord. Donc, moi, je vous dirais pour l'instant, allez de l'avant, c'est encore frais. Allez de l'avant parce que vous avez besoin, vous, quelque part, vous êtes en période, de, si je peux me permettre, de reconstruction, Myriam. D'accord? Oui. Hein? Mais c'est surtout vous qui avez eu besoin, là, de vous mettre, si vous préférez, en retrait. Parce que quelque part, c'est pas qu'il y aurait des manques d'occasion, mais c'est vous qui avez eu besoin de, ben, quelque part, vous retrouver. Hein. Parce que vous avez pris beaucoup sur vous. Hein. Oui, c'est vrai. Hein, vous avez fait quand même pas mal culpabiliser, Myriam. Oui, c'est vrai, parce que bon, c'était toujours des... De votre faute. Voilà, pour moi, c'était toujours moi qui avais un problème, enfin, qui ne parlait pas. Donc... Ben voilà, ben non. Alors attention, je ne suis pas dans le jugement, bien évidemment, mais pour moi, vous voyez, il y a bel et bien les prises de conscience. Hein. Hein, et moi, la personne qui a eu... duré 4 mois, oui, moi, j'en avais marre. Elle vous a beaucoup menti, cette personne? Oui, ça m'a... Elle vous a beaucoup menti. Moi, et pour moi, vous vous en êtes rendu compte. Mais j'avais une personne qui... voilà, j'ai beaucoup de tissus de mensonges, hein, sur des choses relativement graves. Oui. Bah, pensez à vous. D'accord? Allez. Myriam, je conclus. 24 juin 71. Pouvez-vous me dire si Myriam pourra prochainement faire une nouvelle rencontre sentimentale? Ne vous bloquez pas avec le passé. On me le dit. Dites-moi, cette personne, elle a eu tendance à faire des deux pas en avant, trois pas en arrière avec vous? Oui, souvent. Faites attention, parce que pour moi, il va encore tourner autour du pot. Je vois quelque chose, moi, pour moi, ça vous bloque inconsciemment et j'ai la sensation que ça tourne autour de vous. Donc faites attention, s'il vous plaît. Je ne dis pas que vous allez revenir avec, mais c'est dans le sens où psychologiquement, pour moi, ça risque de vous bloquer. C'est pas pour être défaitiste, c'est pas ça. C'est, si je vous préviens, c'est pour vous aider à anticiper les choses. D'accord? D'accord. Bon, on va quand même réussir à tourner la page. Moi, j'ai un retour à l'équilibre. Hein. Ah, d'accord. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Pour moi, vous démarrez sur quelque chose de nouveau. D'accord? Et je vois quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous. Mais pas maintenant. Encore plusieurs mois.
Ok, d'accord. En espérant avoir été assez claire dans mes propos, Myriam. D'accord, oui. Hein, oui. Bon, ben, prenez soin de vous, je vous souhaite une belle journée. Ok, je vous remercie. Au revoir, Myriam. Au revoir. Au revoir.